Salutations distinguées, comment ça va la famille, les amis, tout ça. Enfin, ça a pris cher. Je descends, il est tôt, hein, il doit être 8h, je descends la rivière pour voir un peu le... Il y a une branche là. Alors là en fait ça peut démontrer l'eau à quel point elle est montée. C'est qu'en fait il y a des feuilles dans les... On a dit qu'on parlerait pas tout le temps de ça, mais en fait vu que je suis en train de me promener dans le village pour... Voilà, je vais pas dire quoi, mais voilà. Regardez. Donc l'eau, en fait, elle est montée au-dessus de ça. Sachant que là, vous avez cette rivière-là, donc la Cesse où on se baigne l'été, mais là, hein, vous avez une petite rigole qui est juste ici. Et en gros, en fait, ça c'était recouvert. Donc vous pouvez voir... Entre là et là, il y a plus haut que moi, hein, parce que là, ça équivaut à ça. Et vous pouvez voir, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 marches. Là, c'est à peu près ma hauteur, je suis à 1m78, même pas. Là, ouais, là. Donc, on rajoute 2-3 marches. 1, 2, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 marches. De à peu près 20 cm, enfin 15, allez 15 cm. Donc elle est montée vraiment vraiment haute. C'est un truc de malade quand on voit comment la nature, juste avec de la pluie, peut faire autant de dégâts. Voilà, enfin bref, il est 8h comme je vous ai dit. Faut que je rentre parce que mon vlog d'hier n'est toujours pas monté. Ah ouais, moi je pars tôt le matin. Je suis tranquille dans le village. Souvent je pars, il fait nuit. Et je rentre, il fait jour. Mais en fait, on est tellement bien au calme, tout seul dehors, dans la nature, que franchement, je... Voilà. Après, oui, je suis avec un téléphone en train de jouer. Mais rien que le bruit ambiant. Là, tout à l'heure, j'entendais le coq. Bon, où on se baigne, il y a un nouvel arbre. Là, normalement, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est un endroit où il y a un petit pont en pierre avec de l'eau qui passe en dessous. On est déjà venu, on avait fait il y a 2 ans une photo de famille ici où toute la famille était dessus. Bon, là, c'est totalement recouvert. Hein. Bon, j'espère juste parce que là, je suis en train d'aller à un endroit où en fait qui était bouché, mais normalement, vu comme c'est descendu, ça devrait le faire. Mais c'est. Ouais. C'est fou. Bon après, comme on vous a dit hier, et ça sera, je pense, la dernière fois qu'on va en parler, parce que ça serait abusé encore d'en parler, même si Corinne a dit c'est notre quotidien, nous, on n'a rien, franchement, voilà. Mais c'est vrai qu'il y en a qui ont été beaucoup plus touchés par ces intempéries. Ils parlent même de passer de le classer en tant que truc naturel, là, hein, accident naturel, je sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus le truc. Mais ouais, voilà quoi. Ce pont que vous voyez, l'eau à l'arrivée, en fait à l'arrivée, mais en fait elle l'a recouvert. Il y avait juste ça du pont en pierre qui dépassait. Parce que j'ai réussi à monter dessus, mais quand, par contre, quand c'était, quand ça a commencé à baisser, hein. Quand c'était pas baissé, le pont était quasiment recouvert. Céline a fait une vidéo, si je me rappelle bien, sur Instagram ou sur Facebook, où ce pont-là, en gros, était recouvert. Mais on voit le truc de ouf quoi. Bon en fait je vous reprends vite fait avant de rentrer à la maison. Là, c'est l'endroit où on vient très souvent. Hein. Donc, on a pu voir ce jour même, en fait, que l'eau a été montée au début là et après qu'elle était montée jusqu'à là-bas. Et en fait, donc, il y a 2 ans, je crois, j'avais fait déjà une vidéo sur les intempéries. Bon, c'est pas des vidéos sur intempéries, mais comme, voilà, c'est pour vous montrer un peu, voilà, les choses. Donc, il y a 2 ans, l'eau était montée jusque là de cet arbre. Voilà. Là, elle est montée jusque là. Donc pour vous montrer vraiment à quel point elle est montée haute en fait. En gros elle est montée là.
quasiment là 2,50 m au-dessus, bah 1,50 m au-dessus de moi. Il y a un arbre là. C'est mis là. Mais c'est dommage parce que en fait il y a une sorte de brume pluie. Donc j'aurais bien fait voler mon drone. Mais à cause de cette pluie, en fait, je vais pas pouvoir. C'est vraiment dommage. Par contre, ouais, vous avez pu voir vite fait les images juste avant parce que en fait où on passe d'habitude, là il y a des arbres. On les a entendus, les arbres craquer ici. Hein. Les trucs craquer. Bah, il y en a quasiment plus. Il y a des pierres qui n'étaient pas là. Et juste avant, vous avez pu voir vite fait des tuiles, des trucs comme ça. Alors ça, par contre, c'est pareil. Normalement, il y a des herbes ici. Je ne sais pas. Je ne sais pas d'où ça sort. Je ne sais pas si c'était là avant ou pas. Voilà. Bon, allez. On va aller rentrer. Boire un café. Parce qu'il fait froid, hein, non, parce qu'il fait un tout petit peu frais. Ouais, bah ouais, je fais des rimes, moi, je suis un ouf. Eh, hey, mais t'es matinal. Ouais, ça vous gagne. Ça vous... Je vois pas le rapport. Ouais, je sais pas. C'est la montagne, ça vous gagne. Ouais, parce que... La Bretagne, ça vous gagne. Le champagne, ça vous gagne. La campagne. Bref. Et donc, tu fais quoi? Un flan. Sérieux? Sérieux. Aussitôt le matin? Bah en même temps, il faut se motiver, hein, même si le temps est gris, faire de la cuisine quand même un peu. Ouais, donc la pâte sablée est là, le début de crème est là, l'autre, le reste de la crème est là, et Corinne est là. Et je suis là. Voilà, c'est tout. Je vais monter mon vlog. Je vous avais quitté avec Corinne ce matin dans la cuisine. J'ai une grosse mouche qui me saoule dans l'atelier. Une énorme mouche, même. Je vais mettre un coup de savate. Je suis en... Dégage ! Ah, faut leur parler vénère aux mouches. Je suis en train de faire mon pochoir pour mon cercueil. Donc, la feuille est là. Je vais le lancer. Donc, normalement, il fait la taille du cercueil. Et après, je vais... Alors, en fait, j'ai deux idées. Alors, désolé, il n'y aura pas eu de créa fatalement mercredi. Je n'ai pas eu le temps de la faire pour mercredi. Je pense que j'en ferai une demain matin. Voilà, bah jeudi matin. Pour dimanche. Voilà. Et donc, je vais faire ça. Et donc, je disais, j'ai le chou. Bah, en fait, je me tâte entre du modeling past ou de la bombe. Parce que de la bombe, voilà, ça fera blanc sur noir. Mais modeling past blanc, je pense que ça pourrait ressortir, faire comme si c'était des vieux os. Bah ressorti en fait, donc en 3D. Donc je me tâte de ça, je sais pas encore. Là je vais découper, je vais voir ce que le pochoir donne. Je vous montre ça. Voici le pochoir fini. Ça donne ça. Ouais, je l'ai fait un peu petit en fait. Tu sais pas lire? Non. Coucou de la Normandie, voici quelques timbres pour Corinne, amicalement Linda. Merci Linda pour tes petits timbres. Alors Corinne a dit qu'elle allait les mettre sous vide. Sous vide, ouais, sous verre. Sous verre. J'ai reçu, alors ça se voit que c'était courrier qui le... Voilà. J'ai reçu plein de courriers de Émilie. Alors Émilie, c'est Andro. Daniel de Saint-Génis, Daisy du 74, Véronique de 31, Nelly du 33, Aurore de la chaîne d'or et d'argent, je crois. J'ai un doute, mais si c'est ça. Mais Et Léa Petit Dream, merci pour vos ATC, je pense, cartes.
Je les ouvrirai dans une vidéo spéciale. Et là, nous sommes 17h, 16h30. 16h42. Et on va faire quoi? On va aller voir à Lidl parce qu'ils font plein de bonbons d'Halloween. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, des gâteaux d'apéro pour Halloween. Et sinon? Et des pâtes d'Halloween. Des pâtes? Oui, bref. Et sinon, la quatrième génération, elle est arrivée. Ouais, je sais, je l'ai déjà dit hier, mais j'avais envie de le redire. Ouais, je me fais vieux. Je me fais vieux. Donc on va aller à Lidl voir ce qu'il y a en nouveauté de manger alimentaire Halloween. Cherche quoi? Non, rien. Allez, go! À vivre l'état. Hein. Oui, je suis saoulée. Je ne vois pas le positif. Si, on roule, voilà, mais 80 boules d'essence, ben, ça fait mal au cul. On va laisser siphonner les voitures. Ouais. 80, non mais 78 euros d'essence. C'est la première fois qu'on met aussi cher dans une voiture. Ouais. Après, je te l'avais dit hier. Ah ouais, non mais là, ça me choque quoi. Faut être riche pour faire un plat. Ouais, maintenant, ouais. C'est surtout que nous, on est obligés. Ah bah là-bas, j'en suis. Oui. Tu feras le marqué d'ailleurs. Ouais. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. 78 euros de chance. Je suis choquée là. Mais bon. Je suis outrée. Ouais. Comment te couper la Donc on fait un tipi. Ton téléphone qui sonne. On est de retour pour faire un haul. Alors nous avons été à Lidl. Nous avons été à Lidl. C'est normal qu'on est à l'envers. Ouais, ça doit être normal. Voilà. Donc on a pris ça. Ouais, ça. C'est les mêmes trucs hein, comme ouais, tous les ans. L'année dernière, bah, après je sais pas si vous avez les chips en forme de chauve-souris et ouais. D'étoiles d'araignée. Ils sont super bons. Le prix, je sais pas. Il est où le ticket? Et je l'ai enlevé de la voiture ou pas? Ouais, je crois, je sais plus. Mais ça doit être moins d'un euro. Ça, les dents de Dracula. Ça c'était 99 centimes et par contre ça coûte une blinde ouais, hein, en fait c'est 4 pour 1,29€ et c'est vrai que ça fait un petit peu cher. Quand tu y penses c'est un peu cher mais après ça fait stylé d'avoir les ouais yeux, voilà là. C'est pour ça qu'on a pris que 2 paquets parce que moi perso je les mange pas je trouve ça voilà et ça 3,69€ c'est des grosses araignées en fait pour mettre ça sur les muffins soit voilà en déco voilà. On a acheté du blanc de dinde. Non du blanc de dinde parce que ouais. Le blanc de dinde est moins cher que le blanc de poulet. Des œufs et du fromage voilà ce qui manquait voilà. Rien de ouf quoi. Rien de trop riche. Rien de ouf. J'ai envie de manger un bonbon. Ou je vais manger un croissant qu'on a pris. Alors par contre aujourd'hui l'application bah, les magasins de, au niveau de l'application Tout est parti, on n'a rien vu. À croire que les gens ils regardent toutes mes vidéos. Au milieu, il n'y avait rien, la Micheline, il n'y avait rien. Et non, mais le boulanger, c'est normal, il est fermé mercredi. Ah, bah peut-être que les autres aussi alors. Mais si, parce que je crois que ce matin, j'ai dû voir ce matin. En gros, il faut se lever tôt pour avoir les trucs. En même temps, comme Corinne dirait, vu comme un cerf. C'est ça. C'est que en gros, voilà quoi, t'en profites un peu quoi. Bon, est-ce qu'ils ont de l'école demain ou pas, suspense? Alors, on sait toujours pas s'ils ont école, ouais. Si? Bah non, faut attendre 6h. Faut attendre 18h. De la préfecture de l'effet vert, parce qu'il y a certaines écoles qui reprennent l'école. Non. Donc en gros, on sait pas. Donc bah voilà, on est dans le Pour ce soir, ça sera... On vous a dit ce qu'on a mangé à midi? Non. Non. On a mangé des lasagnes. Faites avec amour par ma femme. Et là, bah, ce soir, on va manger. Parce qu'elle, elle n'est pas toute nue, là. Quasi. Non, elle est en culotte, t-shirt, quoi. Et ce soir, on va manger des croissants béchamel faites avec amour par ma femme. Voilà. Regardez le petit chaton. Ah, je pensais qu'il allait sauter dessus, mais même pas. Là, tu es en train de me regarder, genre en mode. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Eh, hey, t'es en train de me filmer là? Bon, tu fais de l'action là, chat?
Voilà, on voulait de l'action. C'est ça que tu voulais, c'est ça? Et le petit qui est trop petit pour monter. Ah! C'est marrant les chats. Ah! Mais à qui sont ces beaux yeux? C'est à moi! Super nous! C'est à moi! Ah ouais, Donc! sur la plaque électrique, ça va être relou ça aussi. Ah ouais, parce qu'en plus on est en rupture de gaz. Et forcément, on est parti mettre de l'essence, on a oublié la bouteille de gaz. 78 euros si t'as pas compris. 78 euros ah, le plein. Si tu n'avais pas compris. Et en plus, ouais, on est en rupture de gaz. Et en fait, on aurait pu y aller. On va pas y retourner hein, juste pour le gaz. Ah non, parce qu'on a zappé. Donc. Et donc, tu voulais faire quoi? Bah, la béchamel. Ah oui, la béchamel. Tu peux pas la... Ouais, t'es obligé de la faire au. Bah, heureusement, on a une plaque électrique sur la gazinière. Et un four. Mais je vous ai pas dit, il y a deux fours normalement. Ah. J'en ai niqué un. Voilà. Tout va bien en ce moment. J'en ai niqué un. Regarde quel positif, hein. Tout va bien. Donc n'hésite pas à t'abonner, mettre un petit pouce bleu, ouais. Hein, pour le positif. Ouais. Voilà, envoyez des ondes positives. Mais... Envoyez-nous du soleil, tous les gens qui ont du soleil. Bon, sur ce, on va vous quitter. Parce que je vais aider ma femme à faire à manger, même si c'est pas dur, hein, de la béchamel à faire. C'est la faire la béchamel? Ah, il faut du. Hein? Attends. Il faut du beurre, de la farine. C'est même pas la faire. Tac, 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 tac. Après, il faut mettre un peu de lait du gruyère. Tu sais pas la faire. C'est ça ou pas? C'est ça ou pas? Ah non, le gruyère, tu le mets pas tout de suite. Bah, j'ai mis un peu de lait du gruyère. Et bah, non. Après. Non. Non, tu fais d'abord ton roux, s'il vous plaît, monsieur. Ton roux? Voilà, ton roux. Comme mon frère. Tiens, faut que t'appelles mon frère. Non, c'est toi qui dois appeler ton frère. Ah, c'est moi qu'il faut que j'appelle mon frère. Oui. J'ai pas de batterie. Bah, ouais. Faut que j'appelle mon frère. Donc, je vais vous quitter là. Je vous laisse. Je vous dis donc à demain. Demain, il y a quoi? Demain, on est... Alors, déjà, nous sommes mardi, mercredi. Nous sommes mercredi. On est perdu, hein, vu que les enfants vont pas à l'école. On est perdu, totalement perdu. Mercredi, c'est ça? Oui, mercredi. Mercredi, donc vous vendredi. Demain, c'est le week-end. Vendredi soir, demain soir, bah ce soir pour vous, vous avez un vlog Pokémon, 17h30, n'hésitez pas à aller voir. Voilà, et on vous dit donc à demain. Tchou, si tout va bien, tchou. Elle me désespère. Bon allez, fond là. Ça chauffe mes couilles ça. Tchou.